On parle des 8 principes directeurs en construction identitaire. Le party est pogné solide. Les principes directeurs, c'est un peu comme se passer la soie dentaire. T'es pas obligé d'y penser tout le temps, mais si tu le fais jamais, tu vas le regretter. Direct là maintenant, on va parler de développer un rapport positif à la langue française. Essentiellement, là, faut que nos jeunes aiment le français, qu'ils aient le goût de découvrir tout ce qui se passe en français et qu'ils soient fiers de le parler. Coucou! J'aime ça les agrumes. Mais il y a d'autres sujets importants aussi. J'ai entendu dire qu'il y a une école élémentaire du Conseil francophone de la Colombie-Britannique qui a développé tout un projet à Victoria. Récréaction. J'aime ça les jeux de mots. Les grandes sixième années montrent aux plus jeunes des jeux en français pendant la récréation. Les 12 mois de l'année sont avrilés. Les sixième années gagnent en confiance, développent leur leadership, puis les plus petits, ben, rencontrent des modèles francophones. Parce que quand t'es une petite clémentine, il n'y a rien de plus cool qu'une grosse orange. C'est bien beau dire qu'il faut être fier de parler français, mais pourquoi? Oui, on est presque 300 millions de francophones au monde. Oui, le français, c'est la cinquième langue en importance sur la planète. Mais ici, au Canada, les francophones, on est minoritaires. Puis ça, c'est badass. On peut parler une langue sur l'autobus de ville à Sarnia que personne comprendra. On peut écouter de la musique que nos voisins à Edmonton ne connaîtront jamais. On doit se battre pour nos droits à tous les jours. Pis ça, c'est badass. On est vraiment excités parce qu'on organise un gros spectacle à l'école. Mais comme, pas un spectacle de talent. Avec des chansons de Frozen. Mais non, un vrai spectacle avec une vraie artiste francophone super connue. En tout cas, connu au Québec. Pis c'est nous qui l'a choisi. C'est la musique qu'on écoute, on sait que les autres élèves vont aimer. Puis ils vont comprendre que oui, il y a de la bonne musique en français. Yeah, la musique en français, c'est pas juste du Céline Dion. C'est bon, Céline Dion? Si t'as 40 ans, ou t'es triste. Vous voyez? C'est les étudiantes qui organisent l'activité, puis c'est elles qui ont choisi l'artiste. En accordant de l'importance à leur opinion, on les valorise, puis on développe leur estime de soi. C'est ça qui m'a manqué dans mon enfance. C'est ça aussi, développer un rapport positif à la langue française. On se laisse là-dessus. Allez vous mettre en pyjama, faites-vous une tresse, puis allez visionner les autres capsules sur les principes directeurs. Et surtout, soyez confiants. Pour le prochain spectacle, on pourrait inviter les protéines. Qui?